C'est avec même plaisir nous rentrer la 44e édition Éclair Info pour ce maintenant qu'avec notre principale information qui pourra dominer actualité à Banque République d'Haïti dans tête couleur groupe Amitié Haïti France, ambassade de la France présentée le jeudi 24 août 2017 la 20 bénéficiaire programme Bourse BRH Amitié France Haïti a des jeunes filles et jeunes garçons qui qualifient pour bourse d'études ça au niveau 2e à 3e cycle universitaire pour une période. Yon l'année a gagné pour passer 6 mois dans le pays de la France pour approfondir connaissances sur différents domaines tant que médecine, l'agriculture, géographie, sciences éducatives, sciences administratives, selon le gouverneur Banque Centrale Jean-Baden Dubois. Commission économie et finance et haïtien recevoir journée jeudi 24 août 2017 en délégation qui gagne en tête ministre justice et sécurité publique, la maître Idi Fortuné. Objectif rencontre, c'était pour discuter sur l'argent qui a loué administrant dans le budget exercice fiscal 2017-2018 qui déjà voté dans la Chambre députée. Dans l'intervention du président, commission économie et finance de la République, la sénatrice Nenel Kassi, dit qu'il estime qu'il y a nécessité pour montant qui alloué à ministère de justice et sécurité publique a subi une augmentation. Dans le pays de l'autre bord de l'Ouest, le conseiller spécial Donald Trump a prévu de mettre Israël et Palestine sur une seule table de négociation. Une tâche qui t'apparaît impossible jusqu'à présent, dans le cadre de visite dans le pays Israël, jeudi 24 août 2017, là, Jared Kushner rencontré Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis prévoit, j'ai parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas dans l'idée pour joindre une solution à la crise qui existait en deux pays depuis quelques temps. George? Viens le voir ça là baba moi. Et puis mes cobla. Mon cobla ça là baba moi s'il vous plaît. Ça m'y parle. Ben ça là baba moi s'il vous plaît. Vous avez fait courrier en Haïti. DHL cassé pour vous. Oh DHL, cherche un bureau DHL. Merci, merci beaucoup. Un petit service une qui me prend la madame. Petit casse comme ça. Nous avons plus de bagages toujours, madame. Mais oui, évidemment, monsieur. Quand vous êtes ici, vous venez acheter artisanat, vous allez gaspiller des DHL. Oh oh, si crasse comme ça, madame, ou quoi pas faire? Ah, mon cher, c'est là que vous avez besoin. Depuis ces produits artisanat vous venez dans DHL, c'est 50% de la bénéficie. Pour document, vous pouvez passer dans n'importe quel bureau, une transfert qui est prêt. Oh, c'est quoi ça, ça y est? Et puis, DHL a couru la position nationale. Grâce à DHL, produit local a privé tout côté sous la terre pour un petit crasse comme. Et puis tout, pour assurer les affaires arrivées, c'est DHL lié. DHL Express, le spécialiste de l'international. Pour faire la terre produit, nous besoin bon gens agronome. Pour bâti solide, nous besoin bon gens ingénieur. Et bien même gens, pour bon gens traitement, nous besoin bon gens docteur. C'est peut-être ça, Sama Ophtalmologie pas négligé choisi bon gens spécialiste qui ka gade jouk nan fongé qui malade là. Prends attention gère, fais champ visuel si ça nécessaire. Dans affaire lunette même, pas gain temps pour Sama. Que c'est ça qui pas gain nom, que c'est ça qui gain nom. Gucci, Fred, Montblanc, Dolce Gabbana et Latrier. Sama, c'est avantage à qualité. Sama, c'est tout ton réseau, dans Port-au-Prince ou dans province, qui réunit bon gens spécialistes avec bon médicament pour bon gens traitement. Sama Ophtalmologie Chitacol, Pétionville, rue Clévaux numéro 3, côté nous travail matin à après-midi. Delma 18, rue d'Artignave numéro 44, route Cafou, dans mi-temps côte plage 24 à 26. Téléphone 39 46 94 94 32 31 73 31. Décidez-vous aujourd'hui même. Répondez à l'appel de la réussite avec une formation qui vous inculquera les notions et les techniques indispensables dans les options suivantes. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives,
gestion des affaires et protocoles administratifs, gestion hôtelière, secrétariat de direction trilingue, ticketing hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, technique douanière, hôtellerie et restauration, comptabilité informatisée, technique et opérations bancaires, informatique bureautique et anglais. Vous avez des aptitudes? La Unity School of Business a les options qui vous transformeront en un rien de temps en vrai professionnel. Nouvelle session, début novembre. Matin, médian, soir. Chris Roy, impasse Saint-Just numéro 2. Pour information supplémentaire, 37 11 18 87 46 28 42 42. À la USB. Nous faisons ce que nous disons. BRH tente de coller à groupe Amitié France Ambassade, la France en Haïti, présenté le jeudi 24 août 2017. La 20 bénéficiaires du programme Boost BRH. Amitié France Haïti a 20 jeunes filles et jeunes garçons qui qualifiés pour bourse d'études saoul en niveau 2e à 3e cycle universitaire pour une période durant l'année à gagner pour passer 6 mois dans le pays la France pour y approfondir connaissances dans différents domaines tant que médecine, agriculture, géographie, sciences éducatives et administratives selon gouverneur Banque Centrale Jean-Baden Dubois qui évoquait nécessité qui gagnait pour jeunes et jeunes plus encadrement. Jean-Baden Dubois, c'est gouverneur Banque Centrale là, qui t'a porté plus précision dans le micro. Gerlin suit avec Marc Henson Registre. Chers ambassadeurs d'Haïti, en terre européenne, en France en particulier, je vous dis félicitations. Félicitations parce que vous avez été sélectionnés. Non pas parce que vous avez des acquaintances particulières avec X ou Y, mais essentiellement à partir de votre dossier. Je pense que son message très fort pour nous dire que c'est son mérite nous qui fait que nous là aujourd'hui. Et je pense encore un message encore plus fort pour que nous fassions nous bâillons espoir à toute jeunesse là pour dire que si on travaille, si on fait ça, on peut faire correctement, ok. On joue comme ça, il y a une jeune opportunité, ça tout. Et succès, c'est toujours en combinaison de deux bagailles. C'est toujours préparation plus opportunité. En général, très souvent, on a toujours pensé c'est opportunité, 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 et oublier préparer. Donc, il y a une chance que nous allons prendre en formation spécialisée. Il y a un sénat économie, il y a un sénat agriculture, il y a un sénat et sciences, plusieurs formations que je parle, il y en a médecine d'eau, il y a plusieurs formations. Formations que je parle là, c'est des formations que je parle là, de façon à ce que nous augmentions les capacités. Il faut me dire que quand le projet a été soumis à la BRH par le groupe d'amitié et Haïti-France, certainement encore avec la collaboration et en partenariat avec l'ambassade de France. Nous-mêmes, dans BRH, nous avons sauté sur l'occasion. Nous avons sauté sur l'occasion pour une raison bien particulière. Et c'est vrai que dans BRH, nous avons une histoire de former les gens pour retourner et travailler en Haïti. Parce que l'important pour nous, on a parlé de un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi à partir de toutes nos séries de programmes que nous gagnons. Okay? C'est parce que nous comprenons que ce n'est pas possible si que nous n'avons pas un capital humain qui est absolument nécessaire de façon à ce que nous fassions croissance ça que nous cherchons. Donc, nous sommes rentrés là-dedans d'emblée et nous pensons que le message que nous voulons pour tout pays et tout jeune, c'est que l'heure où ils vont construire, leur fait promesse pour qu'ils belle. Et nous te promettons, groupe d'Haïti, amitié, groupe d'amitié, Haïti-France, en janvier, le nous dit que nous avons embarqué la dernière, que la BRH s'engage aux côtés du groupe pour des bourses d'études. L'éclair et l'ibon que je dis à nous prenons occasion ça. Pour nous présenter les boursiers qui vont partir la semaine prochaine, en fait, à partir de la première semaine de septembre, qui vont partir en France pour aller étudier.
Et je pense que ça est extrêmement important. Il est important pour que la jeunesse soit capable de garder justement le geste qu'a fait la Jodia. C'est peut-être un goutte d'eau que lié, parce que c'est à peu près 20 bourses seulement, c'est 20 bourses qui sont partis. Mais, gagner, si vous comprenez bien, il y a près de 200 Haïtiens qui sont partis à l'étudier. Et là, je pense qu'il est important que nous comprenions que le pays, c'est Haïtiens qui construisent. Ce n'est pas le monde qui peut construire pour nous. C'est Haïtiens qui construisent. Et l'important tout, pour que nous-mêmes, en tant que dirigeants, je vais parler peut-être moins, que nous bâillons importance à jeunes de façon à ce que nous ayons espace pour être capable d'évoluer. Côté par le représentant ambassadeur français en Haïti, Laurent Bonneau applaudit l'initiative Salifé Connaît qui vise à renforcer l'enseignement supérieur en Haïti et puis augmenter la quantité d'étudiants haïtiens dans le pays de la France. Pendant le réaffirmé engagement, le fait connaître le pays de la France gagne à travers partenariat ça pour encadrer et puis Corée, secteur universitaire haïtien. Laurent Bonneau, c'est représentant ambassadeur français en Haïti qui tient dans le micro radio télé éclair. Je voudrais également féliciter l'ensemble des boursiers et donc des sélectionnés parce qu'il y en avait beaucoup pour peu d'élus, trop peu d'élus, mais en tout cas cela, je souhaite profiter de l'occasion pour les féliciter et bien évidemment pour leur proposer, enfin espérer qu'ils puissent passer un séjour en France le plus agréable et le plus formateur possible. D'ailleurs, ce sont dans de multiples disciplines, voire dans de multiples villes, donc ils vont pouvoir se former et acquérir des compétences qui seront importantes pour la suite de leur carrière. Bien évidemment, également, je voudrais rappeler que cet octroi de bourse n'est qu'une petite partie, une toute petite pierre de l'édifice de notre coopération en Haïti, mais essentiel puisque c'est un des points de notre appui au secteur de l'éducation qui reste notre axe prioritaire en Haïti. Notre objectif étant d'avoir mis le paquet sur la gestion des ressources humaines, la formation, dans tous ces domaines d'ailleurs, puisqu'on touche tout le continuum qui va de l'éducation de base à l'éducation secondaire, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur pour qui nous réunit aujourd'hui, notamment pour cet octroi de bourse. Bourses qui sont également dans un contexte d'appui à l'enseignement supérieur plus général, puisque l'objectif pour nous n'est pas uniquement d'attribuer des bourses qui coûtent d'ailleurs par ailleurs assez cher, mais de renforcer surtout la capacité des institutions de formation, notamment supérieures en Haïti, à travers, par le biais de partenariats interuniversitaires. On en a une bonne quinzaine actifs entre des universités haïtiennes et des universités françaises. Et l'idée pour nous, c'est bien de favoriser la mobilité étudiante, mais également la mobilité professorale, notamment depuis la France et en particulier les Antilles françaises vers Haïti, de façon à permettre le renforcement des capacités des institutions, la formation des formateurs et des enseignants, de façon à ce que, bien évidemment, l'accès à la formation supérieure, à l'enseignement supérieur, soit démultiplié et non pas uniquement réservé à quelques privilégiés qui auront pu obtenir des bourses. Donc ça, c'est un point important. Donc ce moment est important. L'octroi de bourse est un élément clé. On a l'appui, on a eu l'appui de la BRH, et donc c'est très bien pour compléter nos disponibilités pour faciliter l'envoi de boursiers en France. L'idée pour nous est d'accroître les financements de façon à pouvoir augmenter le nombre de boursiers qui pour l'instant tournent entre 30 et 40 par an, un peu plus finalement, mais également de favoriser d'ailleurs des bourses pour l'enseignement à distance qui se développe et qui peut, s'il est bien fait, permettre également de renforcer largement des compétences, évidemment à des coûts légèrement moindres. Et donc notre objectif aussi, c'est
c'est cela, c'est d'augmenter le nombre d'accès à des bourses sous différentes formes et à l'enseignement supérieur. Président groupe Amitié France-Haïti, Parlement haïtien, député Itardieu exprimé satisfaction dans le cadre réalisation projet bourse d'études et puis féliciter étudiants qui sélectionnés au pendant le promet pour continuer de travailler dans l'idée pour joindre notre partenaire avec plus support pour financer plus bourse d'études et former plus jeunes en d'un pays. Jerry Tardieu, c'est président groupe Amitié France-Haïti dans le Parlement haïtien qui t'a apporté plus de précision. Non, micro, Gerlin Sui avec Marc Kenson Registre. Bourse BRH de l'amitié Haïti-France. Son initiative du groupe d'amitié Haïti-France au Parlement haïtien, donc à la Chambre des députés, en partenariat avec l'ambassade de France, le gouvernement français, l'Assemblée nationale française, la Banque de la République d'Haïti. C'est toute entité ça qui mettait ensemble pour nous capables d'offrir jeunesse là. Il y a un programme de bourse qui est aujourd'hui à bourse BRH de l'amitié Haïti France parce que BRH financier, ça nous est le premier contingent étudiant pour aller en France. Mais nous étions ouverts à d'autres financiers qui ont participé tout avec l'autre acteur pour financer plus de bourse pour nous donner plus de jeunes possibilités pour étudier l'autre bord. Mais surtout en maîtrise et en doctorat parce que j'ai un professeur Théodat Sotila, nous avons des universités au niveau de l'Université d'État d'Haïti qui est capable de préparer nous, qui est bon professeur. Et en fait, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous courir tout, pour nous-mêmes nous faire formation jeunesse. L'autre information, Commission économie et finance Sénat haïtien recevoir jeudi 24 août 2017 en délégation qui gagne en tête les ministres justice et sécurité publique la mettre et Haïti fortuné. Objectif rencontre, ça c'était pour discuter sur l'argent qui est alloué à le ministère dans le budget exercice fiscal 2017-2018 à qui déjà voté dans la Chambre députée. Hein? L'intervention du président Commission économie et finance Sénat haïtien, sénateur Nenel Kassi, dit d'estimer qu'il y a nécessité pour montant qui est alloué à ministère justice et sécurité publique là, a subi une augmentation. Nenel Kassi, c'est président Commission économie et finance Sénat haïtien qui t'a apporté plus de précision dans micro radio télé éclair. Je dis encore des conséquences de travail très riche avec le ministère de justice. Et accompagner les directeurs généraux et les secrétaires d'État à la sécurité publique. Nous avons gardé ensemble le budget et probablement, et même tout par solidarité gouvernementale, il n'y a pas de problème avec le budget, mais le budget n'a pas répondu avec ensemble des préoccupations qu'il y a. Et c'est toute direction, c'est la secrétaire d'État à tout. Et qui montrait que le budget n'a pas répondu avec besoin. Et dans ce sens, nous-mêmes, au niveau de la commission, nous prenons note des différentes interventions. Nous prenons analyser en commission et garder qui ça nous a fait. Mais ce qui est fondamental pour la commission, c'est que nous avons besoin de garantir des résultats. Et c'est peut-être ça que nous avons insisté beaucoup de ministres pour nous demander combien de tribunaux. L'a construit pendant l'exercice là. Les dinos l'a construit un paquet et particulièrement au CAI et l'a construit des tribunaux de paix un peu partout et rénové quelques tribunaux. Tout. Et dans ce sens, je pense que nous avons continué avec des marches dont budget par résultat. Même là que le gouvernement n'a pas présenté le budget qu'il nous souhaité. Nous avons souhaité un budget qui est tout bas nous attendre. Ça veut dire qu'il projetait pour nous les résultats pour nous dire sur 3 ans, mais qui côté pays à pied. Et Jean, nous avons dit la loi de février 2017, livré là, côté demandé pour son budget triennal, et qui tout dit nous dans 3 ans, mais qui côté pays à pied. Nous ne pouvons pas arriver à ce stade, mais pour l'instant, nous avons exigé au niveau ministère, et nous avons suivi tout à partir des unités de contrôle budgétaire que nous avons, pour nous dire que. Comme qui n'a pas eu, il a fait le travail que nous demandons pour faire. Dans l'intervention, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, la maître Eidi Fortuné, dit les satisfaire pour un contrat qui permet à la commission de comprendre la nécessité pour l'argent qui est alloué à le ministère d'augmenter. Maître Eidi Fortuné, c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, l'a quitté dans le micro, radio, télé et éclair. Le budget, c'est 1,6 milliard. On dépasse le 2,
il vient de monter à 2 milliards et quelques. Mais d'après la discussion que nous avons fait là avec commission, devant la commission, il y a une nécessité pour nous augmenter le toujours. Parce que il y a un débat, le sénateur m'a demandé nous là, il y a 4 débits pour le commissaire gouvernement, il y a augmentation à l'agent policier qui pas de venir là, donc nous sommes sûrs que le budget va augmenter toujours. Moi, je suis un magistrat qui ne connaît pas vraiment les chiffres, c'est une équipe qui prépare le budget pour moi, avec tout samedi, je me l'ai fait. Je dis sénateur ça, si tu as quitté ton cob là pour moi, indéfini qui pas un montant et puis chaque temps besoin de faire un qui est ciblé. Et puis on a fait un paquet au CAI, parce que au CAI paquet. Pratiquement, ça au CAI le paquet. Non, programme de passe. Très vrai, je dis ça, encore. Est-ce que nous avons parlé là, gain nécessité pour faire greffier? Je dis non. Je dis non parce que nous formons une commission qui a 4 ministères là-dedans avec 4 greffiers, mais dans 4 greffiers, il y a 2 syndicats différents. Il y a un syndicat qui lance un mot de grève, l'autre syndicat dit qu'il n'est pas dans la grève lui-même. Est-ce que nous avons fait par la régler, nous ne connaissons pas. Mais sauf que tout problème, toute revendication, nous avons adressé tout déjà. Affaire, nous avons dit que la commission n'a pas gagné de soutien. C'est menti. Menti parce que si c'était vrai, tout commissaire greffier a viré de eux. Parce qu'il y a un groupe qui était qui dit non, il y a une discussion, il va dans la grève. Ça, au moins, c'est ajustement salarial que nous-mêmes, comme magistrats, qui fait toute vie à côté de Griffio, nous sommes d'accord. Griffio n'a pas touché 13 000 gouttes, nous pas accepter ça. Et nous disons en octobre, là, avec le budget, ça, il faut nous mettre combien? Bon, nous-mêmes, nous pouvons nous mettre 5 000 gouttes en plus comme ce comme Griffio. Sénateur Lati Boniflan, Karl Murat Cantave, qui était présent dans le rapport qui a évoqué nécessité tout pour salaire policier augmenté dans le projet de loi finance 2017-2018. Là, Karl Murat Cantave, c'est sénateur Lati Boniflan qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Dans la séance de soutenance budgétaire qui fait devant la commission finance là, par la délégation du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il y a un pile point qui est agité. Et tout point ça, je pense que ce sont des points importants. Mais il y a un point que particulièrement moi-même, sénateur Karl Murat Cantave, nous avons agité et essayé de décortiquer avec la délégation du ministère de la Justice, c'est l'augmentation du salaire des policiers. Nous estimons que c'est injuste et même criminel qu'un policier a touché 25 000 gouttes. Et là, on prend 5 à 6 000 gouttes là-dedans, il descend à 19 000 gouttes. Pour service que les policiers rendent pays, rendent même comme cadre depuis 8 heures du matin avec nous jusqu'à minuit des fois. Et tout le temps, il y a là où il y a exposé vie, il n'y a rien de penser que comme sacrifice pour nous pas faire pour eux. Dans ce sens, nous demandons pour que la commission envisage des exercice fiscal 2017-2018 là, augmentation substantielle pour le salaire sur le salaire des policiers. Bon fourchette, sénateur. Qui a allé peut-être de 40 à 50% parce que 25 000 gouttes pas faire pour policiers. Et nous sommes 10 à l'âme, quoi que commission, il touchait de questions, il imprégné de questions et il est d'accord avec nous. Et pourquoi que délégation ministère de la Justice est d'accord avec nous que ANESA, c'est obligation, l'impératif, je dirais même l'injonctif, que gagner en augmentation du salaire des policiers. Nous là pour nous faire des coupes, pour nous faire des amputations, pour nous faire des affectations et des désaffectations. C'est pour être vos salaires, vos budgets au niveau de en fait Sénat, au niveau du Parlement. Eh bien, je crois que en vertu de pouvoir que la Constitution va non, nous allons chita en la commission pour que nous arrivions à faire ajustement salaire là, augmentation salaire policier ça y est. Qui a passé très de yon, qui a baillé tout le monde service, journaliste, tout le monde, et puis qui se catégorie qui bien maltraité qui gagne dans le pays. Il y a une haute intervention publique, il y a le palais national, il y a le parlement, il y a la primature. Moi, je pense que faut que nous fassions de justice, mes amis. Le parlement, tout. Nous sommes obligés de retirer notre parlement, notre primature, pour que nous améliorions le salaire, on crée une catégorie de monde qui a servi nous, et il n'y a pas de rien à retour. Les policiers ont exposé tête, ils ont tiré sous l'île, ils mourent. Donc, il n'y a pas quitté rien, n'est-ce pas? Comme canet, comme dépôt bancaire pour famine. Donc, je pense que faut que nous aider. Donc, graduellement, nous parlons de 40%, mais ça, c'est un bagatelle. Salaire policier, tu as supposé augmenter de 200%. Oui?
Dans l'information, diverses organisations qui défendent droit monde, tant pour solidarité, défense droit monde, collectif, organisation pour défense droit migrants, accrapatrié, Ligue nationale, avocat pour défense droit monde, critiqué, travail commission justice, sécurité et défense nationale, sénat haïtien, dans quatre démarches pour réinstaller un nouveau protecteur citoyen dans tête au PC. Il y a une série de démarches qui, selon membres organisation SAIO, gagnent une couleur politique. N'a pas invité au suivant après l'autre directeur exécutif collectif organisation pour défendre les migrants à Patrio Pierre Garonere à représentant Solidarité Défense Droit Mounio Ansi Nicolas dans micro radio télé éclair. Si chambre député a fait séance en toute transparence des possibilités et nous-mêmes nous doutons très fort parce que dans le début d'intervention, nous tout le monde connaît très bien, nous avons dit ça auparavant. Et président de la commission, chambre sénat, Guépoche, qui c'est M. Jacques Oxylus, Jacques Néo Oxylus, ou prend chambre de député, ou bien Mme Cyprien, qui c'est député, dans la chambre, qui est Mme Lila Camionnaise, Waka, la Camionnaise qui est d'abord candidat. Parce que nous, ouais, c'est presque une deal politique. Bon, ça, ma bon, ça, qui fait. J'ai à nous estimer que c'est très, très mauvais. Et ça, l'autre remarque nous fait, parce que comment on organise une élection pour les sénateurs qui sont présents, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport pour analyser, pas de débat. Comme si on pensait, ça passait à la son théâtre. Un théâtre, même dit, avec un scénario de mauvais goût. Parce que moi-même, pas pour qui raison, ils ont été obligés d'inviter ces droits humains. Pour assister à ça, là. Son véritable théâtre, parce que toute bagarre était déjà planifiée pour que Jacques Ney, Oxylus Vigne, sorti comme candidat Sénat, en particulier président de la commission, et de l'autre côté, chambre des députés, ça, nous, est, la Camerounaise, c'est lui-même, comme Marie déjà député, c'est lui-même qui a toute chance et pour passer, parce que son dit politique. Parce que même si la route dit nous, c'est une décision hautement politique liée, là, pas qu'il fait cadeau. Et ça, et nous, que, et bagayo, déroulement, j'en ai pas déroulé, nous, que nous n'avons pas de problème que c'est X ou Y qui ont choisi pour prendre comme les trois mondes que vous voyez par le président Jovenel. Mais c'est la méthodologie qu'ils ont utilisée pour choisir. Là. Parce que nous, on a devenu, nous pensons que c'est la même méthode qu'ils ont utilisée avant. Nous gagnons trois membres qui prennent dans le Sénat et puis trois membres qui voyaient et la chambre députée pour députés à choisir. Vice versa. Nous avons trois membres dans la chambre députée après vous voyez le Sénat. Mais nous, ce n'est pas ça qui fait. C'est le président et le Sénat fait nous connaître que c'est le Sénat a choisi un représentant. La Chambre des députés a choisi un représentant. Et l'autre représentant, c'est la commission. Et Sénat, à commission et justice, Sénat, commission justice, député, à cap mettre ensemble pour choisir le troisième membre. Là, nous venons garder là, nous disons, bon, là, c'est une sorte de mercantilisme, c'est une sorte de mercantilisme des commissions de justice du Parlement. C'est-à-dire, tout part et pour les commissions de justice du Parlement. Parce que pas quitter aucun espace. Parce que si Sénat choisit un membre, et commission responsable, qui responsable commission justice, a un candidat par. Si la commission député a choisi un membre, et puis responsable commission député a un monde qui a là. Ce n'est pas quelqu'un humain. Il a toujours choisi, il a toujours fait campagne pour le monde là, et il a toujours une possibilité, c'est le monde par là qui peut passer. Et troisième possibilité, c'est qu'il n'y a pas d'espace même, et que c'est même lui-même encore qui peut réunir. Puis ils choisissent l'autre maintenant et que entre eux encore. Ça veut dire que yon moun qui parle en panier n'exayo et même si tu es qualifié, même si c'est ton leader qui a combattu, qui a lutté, et mon pape jamais passé parce que yon pas quitté espace pour l'autre monde et avancer, entrer dans le processus là. Dans le pays, l'autre bord de violation du droit social risque de provoquer démantèlement Union européenne. Cette déclaration, président français Emmanuel Macron, qui a poursuivi visite en Roumanie, jeudi 24 août 2017, sur réforme directive travailleurs détachés.
Emmanuel Macron souhaitait convaincre pays qui n'ont parti l'Est européen pour amender texte réforme. Non. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Emmanuel Macron veut aller vite. Il espère un nouvel accord d'ici janvier. Pour le chef de l'État, la directive européenne sur les travailleurs détachés est responsable de nombreux abus sur le marché du travail français. Elle conduit des employeurs, des entreprises françaises à embaucher en France des ressortissants du reste de l'Union européenne et en particulier de pays à bas coût au coût du pays d'origine. Je souhaite que nous mettions fin à ce système qui, en aucun cas, n'est l'esprit de l'Union européenne. Mais le président roumain ne semble pas aussi pressé. Si Klaus Iohannis s'est dit prêt à durcir la directive, il n'a pas exprimé un soutien total. Nous avons décidé de soutenir une coopération consolidée entre la Roumanie et la France dans le domaine des affaires européennes. Le président français propose de limiter la durée du travail détaché à 12 mois contre 24 actuellement. Autre solution envisagée, mieux encadrer les salaires et renforcer les contrôles entre les différents pays. Dans sa lutte contre le dumping social, Macron pouvait déjà compter sur l'Autriche. À Salzbourg, il a réussi à décrocher deux nouveaux oui, ceux de la République tchèque et de la Slovaquie. Le président français va maintenant tenter de glaner le soutien de la Bulgarie. Pas de visite prévue en revanche en Pologne ni en Hongrie, opposés à toute réforme. Ces deux États comptent près de 500 000 ressortissants détachés. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, est-ce que le conseiller spécial Donald Trump a prévu mettre Israël et Palestine sur une seule table de négociation? Une tâche qui apparaît impossible jusqu'à présent dans le cadre de visite dans le pays Israël, journée jeudi 24 août 2017. Là, Jared Kushner rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis prévoit, j'ai parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas dans l'idée pour joindre une solution à la crise qui existait en deux pays depuis quelques temps. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Jared Kushner, chargé par Donald Trump du dossier israélo-palestinien, a déjà rencontré Benjamin Netanyahu il y a tout juste deux mois. Je suis très heureux de vous revoir, Jared, avec votre délégation. Nous avons beaucoup de choses à évoquer à propos de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région, et aussi de la prospérité. Et je pense que tout cela est à notre portée. Je pense que c'est un signe de la grande alliance entre nous. À en croire Jared Kushner, l'entente entre les deux pays n'a jamais été aussi bonne. Le président est très engagé pour trouver une solution qui pourra apporter la prospérité et la paix à tous les habitants de la région. La relation entre les États-Unis et Israël est plus forte que jamais. Les récentes tensions sur l'esplanade des mosquées et le contexte politique dans chaque camp n'est pas propice à la relance des pourparlers, selon certains experts. Moi, je pense qu'avec le leadership actuel, Netanyahou qui est pris dans des histoires de corruption, Netanyahou qui est pris en otage par l'extrême droite israélienne, Mahmoud Abbas qui a ses propres problèmes à l'intérieur, je ne suis pas persuadé que ce sont les acteurs qui pourront aller de l'avant et faire des pas historiques. Côté palestinien, on attend des propositions claires de l'administration américaine sur la solution à deux États et sur l'arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Nous n'acceptons pas le fait que cette administration américaine soit la première qui ne reconnaisse pas les droits du peuple palestinien d'avoir leur propre État et qu'elle se soit bien gardée jusqu'à présent, ne serait-ce que de mentionner la solution à deux États. En février dernier, Donald Trump avait pris ses distances par rapport à la solution à deux États défendue par son prédécesseur Barack Obama. Banque République d'Haïti, dans tête collée au groupe Amitié Haïti-France, ambassade de la France présentée, je vous le dis, 24 août 2017, la 20 bénéficiaire programme Bourse BRH Amitié France-Haïti, d'un jeune fille et jeune garçon qui qualifié pour bourse d'études, ça au niveau 2e à 3e cycle universitaire pour une période. Une année a gagné pour passer 6 mois dans le pays de la France pour approfondir connaissances dans différents domaines, tant que médecine, agriculture, géographie, sciences éducatives, sciences administratives, selon le gouverneur Banque Centrale Jean-Baden Dubois. Commission économie et finance Sénat haïtien recevoir journée jeudi 24 août 2017 là, en délégation qui gagne en tête les ministres Justice et Sécurité publique, la maître Idi Fortuné. Objectif rencontre, c'était pour discuter sur l'argent qui est alloué à le ministère dans le budget exercice fiscal 2017-2018 qui déjà voté dans la Chambre députée.
L'intervention du président de la Commission économie et finance de la République, la sénateur Nenel Kassi, dit qu'il estime qu'il y a une nécessité pour le montant qui est alloué à le ministère de la Justice et la Sécurité publique a subi une augmentation. Dans le pays de l'autre bord de l'Ouest, le conseiller spécial Donald Trump a prévu mettre Israël et Palestine sur une seule table de négociation, une tâche qui apparaît impossible jusqu'à présent. Dans le cas de visite dans le pays Israël, jeudi 24 août 2017, Jared Kushner rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis prévoit, j'ai parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas dans l'idée pour joindre une solution à la crise qui existait en deux pays depuis quelques temps.